Zovem se Ivana Vasin, igram tehničara. Rođena sam 13. maja 1982. I sledeće godine neću biti tu, neću igrati ovu sezonu zato što ću postati majka u januaru. Sad on, kaže, m'appelle Ivana, que je suis née 13 mai 82, que je joue passeuse et que l'année prochaine, cette saison-là, je ne vais pas jouer parce que je vais être maman en janvier. Bien, on aimerait savoir quelle est la chanson dans laquelle tu te reconnais. J'ai regardé ces questions, mais il y en a tellement de chansons que j'aime bien que... Par exemple, la chanson à ce moment-là que me fait, que j'écoute tout le temps, c'est « Give me a sign ». Elle m'a dit, je pense, qu'il chante. Et ça donne quoi quand tu la chantes? Non. Ça donne rien du tout. Bon, alors après, t'aimes le cinéma? Donc, dans quel film pourrais-tu jouer et dans la peau de quel personnage? Ben, on va dire que j'aime bien. Surtout, j'aime bien les drames, ouais, et les comédies aussi. Et mon film préféré, c'est Walk to Remember. Remember? Yes. C'est la Mandy Moore qui joue dedans. Ouais. Alors. Maintenant, si tu étais une période de l'histoire. Ouais, est-ce qu'on a regardé aussi? Moi, j'aimais bien aller dans le futur. Ouais, on peut aussi aller dans le futur. Ouais. D'accord, très bien. Et pourquoi le futur? Je sais pas, parce qu'il y a tout qui progresse tellement vite que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 200 ans. Alors, ton plat préféré et le plat que tu détestes? Plat préféré, c'est super simple, c'est... de la viande avec des frites, ça je peux manger tous les jours, je pense. Mm-hmm. Et j'aime pas de poisson, rien qui vient de la mer. D'accord. Ta boisson favorite? On va dire le coca. Ton parfum de glace préféré? Fraise. Bon. Ta couleur favorite? Rose. Ton chiffre porte-bonheur? 7. Ta ville préférée? Ma ville, Belgrade, parce que je suis née là-bas. Si tu étais un animal, tu serais? Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Mais j'aime bien les chiens, mais pas les chiens qui sont sous la roue. J'aime bien avoir une belle maison et tous les jours quelque chose à manger. Une expression que tu utilises souvent dans ta langue natale? Oh, je veux dire quelque chose soft, c'est glupacho, ça veut dire que je suis stupide. Bon. Alors ensuite, quel est l'objet que tu emporterais sur une île déserte? Ta plus grosse gaffe? C'est comme vous m'avez expliqué, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je me suis rappelé une fois, quand j'étais petite, j'avais peut-être 11 ans. Et il y avait un garçon qui me plaisait beaucoup et il voulait venir me parler. En fait, moi, je pensais qu'il ne m'a pas vu. Je me suis cachée derrière un camion. Mais en fait, mes jambes, il pouvait voir mes jambes en dessous. Donc, il m'a crié, Ivana, viens, je te vois. Moi, je n'ai pas bougé derrière le camion et tout, comme si je n'étais pas là. Et finalement, il a laissé tomber, il est parti. Alors, tu peux inviter qui tu veux ce soir? Que ce soit des personnes mortes ou vivantes, des personnalités ou des personnes de ton entourage, qui ça serait à table? Mon père, ma maman, mon frère, c'est toi, mon chéri, Kat, et puis mes deux meilleures copines, même si j'en ai trois, je ne sais pas comment je vais choisir, si c'est que six, mais... Aussi, je suis triste que je ne joue pas cette année parce que je pense qu'il va y avoir une bonne équipe avec plein de bons joueuses et je pense que ça va être des bons matchs à voir. Et je pense qu'elles vont faire une bonne saison et c'est pour ça qu'elles ont encore plus besoin de vous pour pouvoir aller plus loin et qu'ils continuent comme l'année dernière. Give me a sign.